Et coucou tout le monde, c'est Pito, j'espère que tout le monde va bien, moi comme d'habitude, très très bien. J'espère à tous que vous avez passé une super semaine. Moi, ça a été. Donc du coup, aujourd'hui, on va se retrouver sur un petit deck pomme de fer sur le thème de temps futur. Hein. Donc cette synergie est extrêmement forte, surtout avec la force temporelle qui a ajouté pas mal de cartes, hein, qui sont vraiment très très bien en termes de symbiose avec les autres Pokémon et les cartes autour. Donc du coup, on va commencer sans plus tarder avec notre chef de fer et le paume de fer hein, qui seront du coup les cartes sur lesquelles on va le plus jouer sur nos parties. Alors pourquoi? C'est très simple, hein, le chef de fer il va pas réellement attaquer sauf si réellement il y a besoin, mais c'est quasiment jamais vous l'utiliserez. Hein, j'ai pas vu une seule occasion pour moi de le faire. Bref, on a le talent Ordre Cobalt. Hein. Donc en gros, en fait, tous vos Pokémon de temps futur vont infliger 20 points de dégâts supplémentaires aux Pokémon actifs de votre adversaire pour chaque chef de fer en jeu. Sachant qu'on va jouer le playset entier, on peut rajouter jusqu'à 80 de dégâts contre les Pokémon actifs en face, ce qui est vraiment colossal, hein, c'est vraiment beaucoup. Ensuite, du coup, on ne peut pas s'arrêter à 80, évidemment, hein. On peut encore monter un petit peu les dégâts avec la capsule énergie booster qui va rajouter 20 points de dégâts supplémentaires, c'est une carte à attacher à votre Pokémon. Et surtout, il va supprimer le coup de retraite du Pokémon auquel la carte est attachée. Hein. Donc en soi, par exemple, le pomme de fer qui réduit son coup de retraite de 4 à 0. Ce qui est pas mal pour les Switch. Hein. Mais en soi, le pomme de fer, il peut avoir deux outils attachés. Hein. On verra lesquels après, vous inquiétez pas. Donc du coup, je pense que vous voyez un petit peu où je vais en venir avec tous les dégâts qu'on va augmenter. Avec le pomme de fer, avec le multi-boku qui fera pas 120. Et du coup, si un Pokémon est mis KO avec cette attaque, vous allez récupérer une carte récompense en plus. Ce qui fait que vous pouvez littéralement terminer la game au bout de deux tours en fonction des Pokémon que vous allez achever. Donc en soi, je prends un exemple de deux petites V, hein, tout simple, hein, même 180 HP, 190. Vous frappez avec le multi-boku, buffez avec les chefs de fer ou la capsule. Hein, et en gros, si vous le mettez KO, vous prenez 3 prize. Et si vous faites ça deux fois, voilà, faut mettre un génie des maths pour comprendre que vous avez pris les 6 et vous avez remporté la game. Voilà, donc en soi, le gameplay est très fluide, vraiment, il est très très fluide, il est assez impactant. Et surtout, le Miraidon nous permet de faire beaucoup de choses. À savoir l'accélération maximale qui frappe à 40 points de dégâts, évidemment bien plus quand on aura les chefs de fer, etc. Ce qui est fort, c'est quand dès le début du jeu, on aura besoin pour le mettre en poste actif, frapper avec et du tout les énergies, parce qu'on pourrait aller chercher deux énergies de base de notre deck et les attacher à nos Pokémon de temps futur comme il nous plaît en fait, tout simplement. Donc en soi, c'est toujours mieux de buffer un pomme de fer. Ce qui fait qu'au bout du deuxième tour, généralement, le pomme de fer est prêt à attaquer avec le multi-boku. Sachant que maintenant, les gens jouent pas mal avec des petits Pokémon de base, donc en soi, c'est pas forcément des X ou des V, genre par exemple de Salamèche, si on joue contre un Dracaufeu, qui a que 70 HP, et du coup, s'il y a deux chefs de fer, on fait une accélération maximale, on tuto les énergies, et en plus de ça, on récupère une carte récompense, donc franchement, que demande le peuple. Donc en soi, c'est très très fort dès l'early game, hein, donc vous avez vraiment pas le temps de vous dire, je vais me faire chier à setup telle ou telle chose, là vraiment, avec ça, vous allez pouvoir setup vraiment très très vite. Après, là je vous montre qu'une seule version, il y en a une autre, c'est un Future Box. C'est une variante de ce deck qui contient un peu plus de Pokémon et de cartes en futur. Là par contre, on n'aura pas le décodage du Cryptoman. En gros, en fait, la variante contient un épine de fer. Voilà. Donc si vous voulez que je vous le présente également, dites-le moi en commentaire. Hein, je vous le ferai avec grand plaisir, parce que c'est un deck qui est vraiment très très fort. Il frappe jusqu'à 410 de dégâts, donc en soi, il peut one-tap des ex, enfin n'importe quoi en fait. Hein. Donc ça peut être pas mal, donc voilà, donc dites-moi en commentaire, petite parenthèse fermée. Du coup on aura aussi le deuxième Miraidon X, hein, donc de type dragon et pas de type électrique, avec l'écrou répulsion qui frappe à 62 dégâts plus 100 si le Pokémon actif sur lequel on va taper a déjà un marqueur dessus, ce qui fait qu'on va taper à 160 au minimum, hein, évidemment, parce qu'on ne compte pas les chefs de fer. Ensuite on peut toujours frapper aussi avec la conduite cybernétique à frapper à 220, et du coup on peut pas le réattaquer avec au prochain tour hein, tout simplement, mais bon ça on s'en fout un petit peu, c'est plus en termes de finisher ou de one shot, ça dépendra de ce qu'on affrontera et si on en a besoin. Le petit Mew pour de la draw si jamais on a une petite main, ou avec le piratage du génome, on prend une attaque du Pokémon actif en face et on prend cette attaque comme la nôtre et puis on frappe avec son attaque, voilà c'est aussi simple que ça hein, donc pourquoi pas, c'est très rare d'attaquer avec ça mais pourquoi pas, hein, donc en soi il est plus là en guise de tuto de cartes en main, en soi, s'il y a besoin. Mais en soi, j'en ai rarement eu besoin, enfin, je l'ai quasiment jamais utilisé, le Mew, donc il est vraiment très situationnel. Après, on peut le changer, je sais pas, pour un autre Miraidon comme ça, ou je sais pas, hein, un Miraidon X, par exemple, pour tuto vos pommes de fer, mais en soi, il n'y aura pas besoin. Ensuite, en termes de cartes objets, qu'est-ce que nous aurons? Un aspirateur perdu, hein, pour essayer de contrôler la game, si jamais il y a des cartes qui nous embêtent dans la partie.
Attrape riposte, hein, pas la peine de vous le décrire, c'est un ordre du boss, mais en outil. Enfin, en objet, pardon. Un attrape ultime, hein, nouvelle carte du coup, hein, de force temporelle. Ça agit comme un Guzma, on va prendre un Pokémon actif, un Pokémon du banc, pardon, de l'adversaire, le mettre sur le poste actif, et nous aussi on va faire un switch. Donc, avec combiné avec la capsule sur un de nos Pokémon de banc, c'est plutôt pas mal pour re-switch et prendre notre Pokémon qui frappe fort, ou alors carrément une pompe de fer, prendre la récompense supplémentaire et terminer la game. Ça peut être un très bon finisher de finir comme ça peut être pas mal. Faible Ball, hein, du coup, classique. Générateur électrique pour tuto nos Pokémon sur le banc au cas où, si jamais on n'a pas de Miraidon en poste actif pour les tutos. Voilà, ensuite les Pokémon tous pour aller chercher nos Pokémon, nos cartes dresseurs si on a besoin et si elles sont dispo. Ensuite, un Technoradar, pareil, une bonne carte pour les temps futurs. On va utiliser cette carte que si on peut défausser une de notre main, chercher deux Pokémon de temps futur et tout simplement les mettre dans notre main, ce qui revient au fait de les mettre sur le banc. Voilà. Ensuite, on aura Centre Commercial, un stade qui nous dit qu'une fois pendant notre tour, nous comme l'adversaire pouvons aller chercher une carte objet à attacher à nos Pokémon dans notre deck. Donc c'est plutôt pas mal pour aller chercher les capsules énergie ou alors un bâton de masse. Donc du coup, qu'est-ce qu'il fait ce petit bâton? Et ben, on va le poser uniquement sur le paume de fer parce qu'il peut attacher qu'un Pokémon qui a un coup de retrait d'exactement 4. Ce qui est en gros très fort parce qu'en gros s'il se met KO et qu'il a le bâton de masse attaché dessus, et ben on peut déplacer 3 cartes énergie qu'il avait sur lui, sur un autre Pokémon, sur notre banc. Voilà, donc en gros, admettons on a un autre paume de fer. Et bah, si se met KO le premier, et bah, du coup, on peut recharger le deuxième s'il a le bâton de masse. Et puis, bah, du coup, c'est reparti pour un tour. On peut déjà re-attaquer très vite avec un autre paume de fer. Voilà, tout simplement. Ou alors, je sais pas, comme vous voulez, hein, le Miraidon là, ou le Miraidon X. Voilà, au choix. Voilà, après, bah, classique, hein, des machines, hors du boss, Paper pour aller chercher des générateurs surtout, ou des objets situationnels en mid-late game. Pardon. Et une carte outil attachée, donc à savoir, soit la capsule, soit le bâton. Recherche professorale, hein, évidemment pour tuto un petit peu notre main, la recycler, voir si on peut avoir d'autres choses. Et les fameuses énergies, hein, donc ça reste du classico classique. Voilà. Donc le deck est très simple, hein, la synergie est vraiment extrêmement forte dès le début de game. On va essayer de poser le Miraidon. Poser derrière un maximum de chefs de fer si on le peut, avec un pomme de fer sur le banc. Comme ça on frappe avec le Miraidon, on tuto le pomme de fer, on fait une retraite et on essaie de frapper très fort et très vite. Comme ça, on laisse pas vraiment la personne en face se tuto ou se préparer pour tel ou tel Pokémon. Donc en soi, essayer de frapper aussi sur les faiblesses. Donc je sais pas, je prends l'exemple de Lugia, des choses comme ça. Focuser vraiment les gros Pokémon avec des faiblesses s'il y en a en face. Histoire de vraiment tirer parti du paume de fer et de son multi beaucoup. Histoire de vraiment torcher la game le plus vite possible. Parce que ce deck est très fort en early et en mid game, mais en late game, il s'essouffle vraiment beaucoup. Donc le mieux c'est vraiment de plier la game dans les 6 ou 7 premiers tours de jeu. Après ça va être très compliqué je pense. Parce qu'on n'a pas de Mega Can comme vous pouvez le voir pour remettre certains Pokémon dans notre deck avec les énergies. On n'a rien de tout ça. Après vous pouvez très bien prendre la decklist et la rechanger, vous les mettre vous-même. Ou même changer 2-3 choses si vous le désirez. Hein. La decklist là n'est pas universelle et auto-win. Voilà, donc en soi, on va passer, je pense, au premier combat histoire de voir ce que ça donne. Et puis, bah, je vous dis à tout de suite. Et petite parenthèse avant que vous puissiez continuer de regarder la vidéo, je suis désolé parce que ce sera décalé. Du coup, entre le moment où je présente le deck et le moment où je vais faire les combats. En gros, j'ai eu un petit souci IRL, donc c'est-à-dire une brûlure sur toute la main gauche. Donc en gros, malheureusement, ça m'a vraiment ralenti de fou. Et le temps de la guérison, etc. C'est ce qui fait qu'il y a eu malheureusement un décalage et je m'en excuse auprès de vous. Donc du coup, là la vidéo va continuer, donc il n'y aura pas de souci avec les combats, je vais bel et bien les règles, tout ça. Mais ça m'a fait prendre pas mal de retard sur pas mal de choses, notamment la fin de la vidéo et d'autres vidéos que je voulais faire pardon, au cours de la semaine pour vous. Donc c'est un petit peu retardé, donc je tiens quand même encore à m'en excuser et bah, du coup je vous souhaite quand même un bon visionnage. Et nous voici du coup pour le premier combat avec le deck futur, donc en soi avec les pommes de fer et notre chef de fer. A voir un peu ce qu'il nous réserve en face le deck, en espérant que c'est pas un deck non plus trop chiant à affronter, hein, parce que sinon le combat va durer 15 ans. Ok, donc le mieux alors, sachez-le, c'est de commencer en deuxième, vu qu'on peut déjà tuto les énergies avec la Miraidon, donc c'est toujours mieux de jouer en deuxième et pas en premier. Bon là ça va, il prend la main donc ça va. Le meilleur setup possible, c'est qu'on puisse avoir un Miraidon en poste actif dès le début. Évidemment, on a un... Ok, bah c'est parfait, en fait, j'ai rien dit, j'ai pas vu le Miraidon. Donc là, on a vraiment un setup de fou, c'est parfait. Incroyable. En plus, on va le mettre KO, son assaut lourdeau. Grâce à notre commercial, on ira chercher une capsule énergie booster. Et là, bah, ça va nous mettre vraiment très bien.
Donc là, c'est un deck rugine, d'accord, ok. Pas de souci. Il peut nous mettre KO certaines choses, donc c'est assez relou. Je sais pas pourquoi il fait ça. Bah, au moins, on peut au moins lui mettre un petit peu de dégâts, donc c'est déjà pas mal du tout. Hein, on est pas mal. Hop, centre commercial, chercher capsule d'énergie booster. Empoiser une sur le Miraidon avec la capsule. Mettre une petite accélération maximale. Frapper à 60. Voilà. Et aller chercher deux cartes d'énergie électrique qu'on va attacher à notre pomme de fer. Donc en espérant qu'il peut carry, parce que là on a une main qui est un peu éclatée. Enfin, on a un très bon start, mais la main laisse à désirer hein, pour le coup. 3 énergies et un bâton de masse. On va dire qu'on a connu mieux. Hein. Voilà. À voir ce qu'il va nous sortir. Parce que là il peut pas réellement nous le mettre KO. À moins qu'il n'a pas de défausse, donc on ne peut pas utiliser la vitalité du professeur. Je sais plus comment elle s'appelle, hein, celle du temps passé. Ok, donc il se fait une rune terrestre, lâcher deux cartes d'énergie de base. Ok, il va les mettre sans rugir une. En soi, c'est pas bien grave s'il peut nous mettre KO le Miraidon, c'est pas un souci, parce qu'on a largement le temps de setup le pomme de fer, on a large le temps. C'est pas le souci. Ok, on a une machine, donc on va faire une machine tout de suite d'ailleurs. On va poser le bâton de masse dessus au cas où. Faire une machine, tranquillou. Voilà. Eh ben c'est impeccable. Ok, donc là on a un Mew au cas où. On va faire un Pokématos pour aller chercher quoi? On va aller chercher au cas où. On va chercher Professoral. Voilà. Et bah y a rien d'autre en soi, donc on va juste continuer de taper tranquillement. Donc là on va juste aller chercher ça. Voilà. Là notre pomme de fer est déjà setup, donc c'est déjà pas mal. Là, on n'a rien d'autre à faire à part faire une recherche professorale, malheureusement, ou alors Pepper pour aller faire un technoradar et chercher deux chefs de fer. Parce que là, ce qui serait bien, c'est de pouvoir au moins le mettre KO, soit avec la pression des bras, si on peut, et si on a les dégâts, soit avec le multi beaucoup. Parce que là, on peut lui mettre encore 180 dégâts, pardon. Donc il nous faudrait 3 chefs de fer. 4, pardon. Et ça, c'est pas chose aisée, là, tout de suite, donc c'est un petit peu compliqué. Mais au moins Technoradar ça peut être sympa avec le bâton de masse, comme ça on peut reset up un bras de fer. Un bras de fer, mais qu'est-ce que je raconte quoi? Un pomme de fer, pardon, je suis désolé, hein, je suis un peu éclaté aussi à côté. Par la fatigue, hein, tout ça. Donc c'est un peu complexe. Ok, donc là il va nous faire sa pioche fuyante. Quincia. Bon, soit c'est pas bien grave. Il va aller chercher quoi? Bah du coup l'autre Rugilune. Il a défaussé quoi? Ok, donc il y a une, deux. 4, 5, il frappe déjà combien là? 120. Donc je sais que le petit Rugilune ne fera pas 120. Évidemment, au meilleur moment de la vidéo, mon chat veut sortir. Donc vous allez entendre miauler, je pense, c'est fort possible. Et bah voilà. Ok, donc là il joue avec sa vitalité du professeur quoi du coup. Attendez, je retiens le nom. Olim, d'accord. Pour vous dire à quel point j'ai joué à la cartouche, hein, avec carte violette, mais bon, je m'en foutais complètement, donc... Je veux dire, j'ai pas vraiment eu d'attache à cette version, donc en soi... Tout ce qui est lore, personnage, j'ai pas réellement retenu beaucoup de noms, à part bah, les Peppers, tout ça, parce que je joue les cartes, hein. Mais en soi, voilà. Pas grand-chose, quoi. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça, lui. Il me donne deux prizes, mais je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Alors t'as lu, j'aurais juste tapé à 110 parce que j'aurais pas pu le one tap avec le pomme de fer. J'aurais juste pas pu, donc je sais pas pourquoi il a fait ça. D'un côté, tant mieux pour nous, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Tant mieux. Parce que là, on va hors du boss après son petit Rugilune. Ah bon, bah il a concédé la partie. Pour d'obscures raisons, il l'a fait. Donc, bah je suppose mal sûr. Et nous voici du coup pour le deuxième combat. On va affronter une personne avec 715 points, donc en rang hyper. Alors sachez que là je suis actuellement en rang Dracaufeu, donc dans la Super Bowl. On verra bien si en fonçant le ladder j'arrive à choper le Master. Donc on verra bien. Ce qui serait bien c'est d'avoir au moins le rang Arceus, hein. Ce serait plutôt cool de l'avoir, on va pas se mentir. Mais bon, là je vais essayer de poncer jusqu'à aller jusqu'au Cré-Elfe, donc à savoir la ligue hyper.
voir un peu comment ça va se jouer. Mais en soi, je vois tout le temps un peu les mêmes decks, entre guillemets, plus je monte dans le ladder et plus je vois à peu près les mêmes. Donc c'est le deck que je joue, ou alors c'est des decks style Drac au feu, ou beaucoup de contrôle, hein, donc avec les forts ivoires, qui font de la meule. J'en vois beaucoup. Bon bah voilà, il va regarder. Voilà, donc c'est pas si mal que ça, on va pas se mentir. On va faire un techno radar, on va virer. En soit il va. S'il peut poser des trucs, donc on va laisser ça comme ça. Chercher un Miraidon et un. On peut faire, je viens de vous dire. Tranquillement. Là on n'a pas vraiment le choix. On doit poser. On doit faire notre attrape ultime, pardon. Ah non mais on joue en premier, donc voilà. Hop, on va le poser sur ça. En soit j'aurais bien. J'allais dire, j'allais faire un attrape ultime. Tuto et tout, mais je suis trop con parce qu'en gros, en fait, on a commencé en premier et c'est juste n'importe quoi. Mais il va juste meule nos cartes, hein, c'est tout ce qu'il va faire. Hein, c'est le deck sert juste à ça. Et avec le fait que j'ai des chefs de fer, on va pouvoir prendre les deux price à chaque fois qu'on va en mettre un KO. Ok, bon, bah, moi ça me va, hein. On m'en fout un petit peu. Ok, bah c'est parfait. On peut au moins faire ça, un attrape ultime du coup. Hop là, sur le Miraidon. Faire une accélération maximale, mettre deux énergies sur notre pomme de fer, hop là, comme ceci, et du coup prochain tour on peut déjà tenter de poser un pomme de fer, mais le problème c'est la retraite, donc en espérant qu'on ait une bonne carte, il sort en top deck, ça peut être vraiment bien, ou alors face une machine, ça serait pas mal aussi. Ok, donc là qu'est-ce qu'il va nous faire là? Il a pas d'énergie je crois turbo dans la main. Non, il va les poser ici. Il a raison. Il a complètement raison, le monsieur. Donc, il n'y a pas de souci. Sauf si j'ai le générateur qui fonctionne. Parfait, ça. Allez, hop. On peut déjà faire une retraite, hein, et on est bon. Hop là, tac. Retraite, poser le pomme de fer, chercher les doubles prices à chaque fois. Et là, on est vraiment bien pour le coup. On frappe à 160. Faut espérer qu'il n'ait pas de capsule et temps passé. Il va lui racheter des dégâts. Et ça, ça va être vraiment être relou, par contre. Ok, let's go. Donc en soi, le deck là est bien contre les decks for ivoire, hein, parce qu'on va vraiment aller choper deux price par deux price. Mais là, je crois qu'il a les deux mains vraiment immondes en face. Le pauvre. Ok, donc ça va encore. Il va essayer de nous stall et en même temps nous dégager des cartes du deck. C'est pas bien grave en soi. Chercher Pepper. Alors en soi, j'ai rien d'autre pour faire le switch, il me semble. Si, en soi, je peux chercher la capsule d'énergie booster, la mettre dessus. L'autre carte, je prends quoi? On va faire ça au pire, hein, simple. Chercher un techno radar pour chercher autre chose. On va faire ça, virer l'aspirateur, ça ne servira pas à grand chose. On va aller chercher du coup un autre pomme de fer au cas où et un chef de fer pour maximiser les dégâts. Et en plus de ça, avec le bâton, on va le poser dessus. Comme ça, on sera bien pour le re-setup. Voilà, tranquillement. Hop là, tac. Bâton de masse dessus. Bon, il nous mettra jamais KO, mais ne sait-on jamais. Parce qu'en soi, j'ai jamais vu attaquer une seule fois, mais c'est jamais. Voilà, jamais. Là, prochain tour, il peut qu'il veut, à mon avis, c'est fort possible. On a une recherche professorale pour aller rechercher quelque chose, donc c'est pas trop mal non plus. Là, je pense qu'il peut juste qu'on cède. Hein. Mon deck est juste en train de le counter, mais comme pas possible. Là, il va nous faire meule combien de cartes du coup? Je crois que c'est 5, il me semble. Ah non, 3, ouais c'est 4, ok, il me défausse 4 par 4 à chaque fois. Donc pourquoi pas. Ok, chaussures de randonnée. Ok, matos. Il peut pas refaire, ouais, là il va nous faire stall. Logique encore une fois, hein, c'est logique. Contrement de terrain, ok, donc il nous a viré pas mal de trucs, mais ça va, il n'y a pas de capsules qui sont parties à la défausse. Donc ça va encore. On va aller poser ça sur. Bah, je ne sais pas en vrai, hein, on va se mentir. On va poser ça sur. Donc, la faire de fer. Hein. Faire une recherche, on n'a pas le choix. Espérer qu'on ait. Bon, on a les deux, ouais, c'est parfait. Allez, GG Wellpaid. Hop là, tac. Retraite. Et bah, c'est win à tout le monde, hein. Voilà. Let's go, GG à tous. Donc, le deck après, bon, bah là, c'est pas un deck, enfin, c'est pas un combat époustouflant parce qu'on est complètement en train de le counter. Il frappe pas, il va juste nous stall. Malheureusement, je crois qu'il a pas une bonne sortie non plus, le pauvre, donc.
Bah, ça me fait un peu de la peine pour lui, mais bon, c'est le jeu, hein, on va pas lui faire de fleurs parce qu'il a une mauvaise sortie. Non, moi je gagnerai aussi tous mes combats, donc bref. Donc bah c'est parti, on va passer dans ces cas-là au troisième combat, c'est parti. C'est parti, je pense pour peut-être le dernier combat de la vidéo, enfin je ne sais pas combien de temps il va durer ou autre, donc on verra bien, voilà. Et je pense que ça va être le dernier parce que j'ai peur en gros de, à force d'en rec, je tombe sur un qui est intéressant et qui est trop long et je vais faire une vidéo YouTube de 1 heure et quelques et ça c'est pas possible. Le temps de l'upload, etc. Et même ça va être vraiment extrêmement long et j'ai pas envie de vous affliger plus de temps que nécessaire. Surtout vis-à-vis du retard que je vous expliquais tout à l'heure, ça va être compliqué. Donc on va essayer de faire ça proprement. Ok, donc où est-ce qu'on a? Ok, donc là ça va, on a une sortie qui est pas trop trop mal. On n'a pas de pomme de fer malheureusement, mais bon, on va s'en contenter. On n'a rien pour tuto, on a vraiment rien du tout. Après, je peux toujours aller chercher le tuto lui, le Miraidon X, donc... Voilà. Et là, on a un Rugilune, ok. On n'a surtout pas d'énergie, hein, donc là, c'est vraiment la catastrophe, hein, c'est vraiment compliqué. Voilà. Ok, un Finobi pour Hydro, normal. La logique, me direz-vous. Donc, il va jouer, je crois, c'est... Ouais, ça va être la box... Des Pokémon au cimetière, ou alors les cartes dresseurs, etc. Enfin, au cimetière, enfin, je me suis compris. Ok, donc là, il a bien 200 HP. C'est faiblesse plante, mais on s'en fout un petit peu. Je pense qu'on va plutôt aller chercher le Miraidon. Hein. On va essayer de taper assez vite. Le Rampel, le fameux, le type combat. Ok. Donc, ouais, donc c'est notre tour, à voir ce que je pioche. Ça va. Si on a une bonne carte, c'est vraiment... Bah, c'est pas... bah, c'est incroyable, hein. Voilà. Le Miraidon, je pense qu'il servira pas à grand chose. On va faire l'aspirateur perdu, virer le Miraidon là. Et virer son énergie booster qui ne servira pas à grand chose contre lui. Ok, donc là on va faire une machine. On espère avoir des bonnes choses. Et on a eu des bonnes choses hein, pour le coup. C'est vraiment pas mal du tout. On va poser le chef de fer et les deux pommes de fer derrière. Quoique, je sais pas. On a les deux, c'est parfait, c'est incroyable. Voilà. Incroyable. Je demande le peuple, bah, je ne sais pas. On va faire du coup un petit Miraidon. Hop là, à 80. Setup, notre pomme de fer. Là pour le coup, notre machine nous a mis vraiment ultra méga bien. Genre, vraiment. Donc après, là j'ai eu de la chance sur le top deck, on va pas se mentir. J'ai eu machine, donc. Enfin, j'ai eu le Pokégear 3.0 qui m'a donné une machine. La top deck était vraiment fabuleuse, hein, c'est incroyable. Il y a combien de cartes de temps passé dans un défaut? Il n'y en a que 2, donc il va frapper à combien? Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas, il y a mon chat qui est... On s'est énervé avec le Pogona derrière. Ok, donc là on peut aller chercher tout le temps 2 cartes price par 2 cartes price avec notre cher Pomme de Fer. On set up un deuxième et vite parce que le machin là peut vraiment vous retourner une partie très vite. Et oui. Parce qu'en gros, il va frapper à 70 plus 10 pour chaque carte temps passé qu'il y a dans sa défausse. Pour l'instant, il y en a 1, 2, 3, 4. Donc, il n'y en a que 4, donc il frappe à 110. Donc, à voir un peu ce qui va se passer derrière. Et je sais pas pourquoi il est en train de... Pour les défausser, je pense. Je sais pas. Je sais pas trop ce qu'il fait. Là, je vais quand même poser mon pomme de fer derrière et mettre une recherche professorale derrière. Ok, ça passe en 10, il nous le met KO, c'est parfait, c'est tout ce que je voulais, moi je m'en fous un petit peu. Ok. Hop là, pomme de fer, on va aller poser le deuxième et faire une recherche, tranquillement. Voilà, hop là, tac, tac. Une recherche, du coup. Il nous faudrait le bâton de masse, ce qui nous mettrait vraiment très bien. Ok, on frappe à 160, donc dans tous les cas, je les mets KO à chaque fois. Du coup, radar, est-ce que je vais chercher autre chose? Bah en vrai, pour l'instant, il n'y a pas besoin en soi. Je vais juste le mettre KO, chercher mes 2 cartes récompenses. J'ai pas d'or du boss pour le coup pour l'instant. Dommage, si jamais il veut mettre l'autre pour temporiser. Ouais, il pourra pas nous mettre KO pour l'instant. On a 1, 2, 3, 4, 5. Ok, toujours 5 du coup. Donc, il frappe à 120 maintenant. Ok, pas de soucis. Nous, on peut le mettre KO derrière, mais il nous le remettra KO de toute façon avec le truc. L'attrape riposte, c'est parfait, hein, pour le coup. Il est vraiment incroyable parce qu'on garde nos énergies booster pour ce genre de cas. En général, faut pas essayer de tout le temps poser les cartes outils de type comme celle-ci.
Tout le temps, et parce que vous avez envie, ou pour mettre plus de dégâts que nécessaire, parce que là, admettons, j'aurais posé les deux sur les pommes de fer, là j'aurais fait comment? Vous voyez ce que je veux dire? Là, on serait juste emprisonné pour autre chose, plus qu'autre chose, et je voyais pas l'intérêt. Ok, donc là en plus, ça permet de mettre des énergies boosters, donc en soi, il est à 200 PV, et nous on fera pas combien, donc à 1, 2, ok, on est déjà KO. Bah, let's go, ça marche, pas de soucis. Ok. Il nous l'a mis KO, ça c'est vraiment relou pour le coup. Ok, Pepper, donc on va aller chercher un technoradar. On va virer celui-là parce qu'il ne servira plus à grand-chose. Chercher deux chefs de fer. Faut vraiment taper à maximum. Ok, donc là on fera déjà 180 il me semble. Avec ça 200, on remplit. On va poser ça sur le deuxième. On fera pas 200, tranquillou. Voilà, on va chercher deux cartes récompenses. Là, ce qui serait bien, c'est au moins une horde du boss. Ce serait vraiment incroyable, mais je doute qu'on puisse l'avoir comme ça. Comme ça, on va essayer de taper l'Amphinobi qui est derrière là-bas. Pour vraiment être bien. Dans tous les cas, là, il nous met KO ce qu'il veut, là, de l'autre côté. Désolé pour le bruit de la chaise aussi. Hein, je sais que quand elle grince, vous l'entendez un peu en arrière sur la vidéo, c'est pas fou. Ok, l'horde du boss, il va taper du coup un autre chef de fer. Bah, il n'y a pas de souci, mon pote à la compote, il n'y a aucun problème. Il va nous le mettre KO. Derrière nous, on peut le mettre KO avec ça, je pense, avec la pression de bras. Donc, on prend pas deux cartes récompenses, malheureusement, mais après, il aura plus d'attaquants avant qu'il arrive en setup à un autre. Ça, je ne sais pas s'il va pouvoir le faire. Tout ce qu'il peut faire là, c'est avoir de la tuto de pioche avec l'Amphinobi. Il y en a quand même déjà beaucoup. Hein. Donc, ouais, le deck là peut vraiment aller vite, hein, il me semble. Hein. C'est quand même quelque chose. Ok. Dérouillé primitif, il servira pas à grand chose pour le coup. Et pareil pour déchiquetage, il mettra pas plus de dégâts que nécessaire. Là, il va essayer de défausser un maximum, mais là, il a plus de. Là, je comprends pas pourquoi il défausse encore et encore et encore. À moins de pour poser sur le banc, parce qu'il a vraiment tous les dégâts pour nous mettre KO, ce qu'il veut, absolument ce qu'il veut. Donc, je vois pas l'intérêt de tout le temps défausser. Donc, ok, il va aller chercher un autre Giline, logique, normal. C'est ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Et je crois qu'il a plus grand chose, hein. Malheureusement, dans sa main, il a plus que deux cartes. Donc, nous, ça nous met vraiment très bien pour le coup. Ok, donc là, il va nous remettre un truc comme ça. Voilà, 340, hein. Voilà, c'est bien ce que je vous disais. Il m'a mis à la défausse plus de cartes que nécessaire et c'est un peu dommage. Ok, donc là, on a notre petit pomme de fer qui est ici. Il frappe à 180. Ouais, malheureusement, on va pas frapper plus que ça. Mettre un générateur au cas où. Ok. En vrai, je vais le poser ici, aussi dessus, mais. Il faudrait. Chercher que Pepper, chercher quoi? Parce qu'en gros, je dois faire une horde du boss. Ah, mais attendez, mais je suis bête en fait. Je suis trop bête. Bah voilà, c'est gagné. Voilà, simple, efficace, c'est gagné. GG well played. Hop, le attrape riposte. Chercher l'Amphinobi, parce qu'il a une faiblesse, on sécure. Et un multi-boku, et c'est terminé, fin de game. Voilà. Donc vous voyez la puissance du pompe de fer, hein, ce qu'il peut faire, c'est vraiment ridicule. Hein. C'est les deck one prize, vraiment, vous n'avez pas envie. Enfin, si vous jouez un deck one prize, vous tombez contre un pompe de fer, c'est très dur d'en revenir parce que le pompe de fer, s'il est tuto vraiment rapidement, c'est vraiment compliqué. Parce qu'il va vraiment choper des prizes vraiment très, très vite. Et en 3 tours, la game est pliée. Donc vous voyez, hein, là pour le coup, sans le multi beaucoup, là la game était pliée pour moi. Donc il prenait tout le temps deux prizes en mettant beaucoup de dégâts, et moi j'aurais pu en prendre qu'une seule. Là, le pompe de fer nous a littéralement sauvé la partie. Donc, vous voyez un peu vraiment la puissance du machin. Donc, en tout cas, j'espère que bah, ce deck vous aura donné envie de le jouer, en tout cas. Donc, je vous mettrai un decklist dans la description, comme d'habitude. N'hésitez pas à changer 2-3 choses si vous voulez le mettre à vos goûts, à votre goût, à vous. Donc, la decklist, comme je l'avais dit en introduction, n'est pas universelle, donc elle n'est pas auto-win. Par exemple, vous pouvez rajouter très bien plus de attrape riposte. Par exemple, plus d'or du boss ou. Des méga cannes à rajouter dedans, hein, voilà. C'est en fonction de vous, voilà, tout simplement. Donc en attendant, moi du coup, je vais resetup d'autres vidéos, vous inquiétez pas, suite au retard que j'ai évoqué en petite parenthèse entre l'introduction et les combats. Je vais faire mon possible pour, hein, donc là ma main est, je dirais, à 90% guérie, donc il n'y a pas de souci, hein, je vais m'y remettre et très rapidement. Je m'excuse encore une fois pour le retard, hein, c'était pas prévu du tout et franchement ça m'a un petit peu embêté. Enfin bref, donc du coup, je vais me replonger dans tout ça, et sur ce, je vous souhaite une très bonne après-midi, ou une très bonne soirée, ou une bonne matinée en fonction de quand vous regardez la vidéo, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait,
si vous voulez voir plus de contenu. Voilà. Donc du coup, moi je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.